comptoir en cuisine. Bonjour, pour notre recette du jour, ce sera un base cake à licorne, une recette en deux parties. Première partie, un simple gâteau au chocolat. Puis en deuxième partie, nous allons faire un base cake de licorne maison. Nous expliquerons plus tard. Pour nos ingrédients, il nous faudra 3 œufs, 125 g de beurre, une pincée de sel extrait exclusivement de Vorago, de la verjuice, de cacao, de la farine et du sucre en poudre, bien entendu. Pour commencer, nous allons tout simplement réduire notre beurre en pommade à l'aide d'un batteur électrique. Pour cela, il suffit de le mettre dans ce cul de poule, puis de rajouter le sucre. Ensuite, battez à pleine vitesse jusqu'à obtenir une consistance comme si vous essayiez de faire passer une pommade, comme si vous étiez en 2018 et vous achetiez de la RAM. Une fois arrivé à consistance, rajoutez les œufs un à un, histoire de pouvoir obtenir un mélange bien crémeux, bien fluide, mais surtout, pas trop y aller, oups, trop vite, sinon vous risquez d'obtenir plutôt un résultat vomi le lendemain de soirée. Battez vite, très vite, toujours plus vite. Au bout de quelques minutes, vous devez obtenir une consistance assez crémeuse, avec laquelle on va pouvoir ajouter tous nos produits secs qui ont été mélangés en même temps, et que l'on passe au tamis afin d'éviter tout grumeau. Et nous le faisons du coup en deux fois, histoire de pouvoir absorber correctement et avoir quelque chose de bien homogène, bien onctueux. Sur notre pâte bien onctueuse, nous allons pouvoir ajouter les arômes. Pour notre cas, nous allons utiliser du whisky, du scotch. Pareil que nous avons un petit problème d'alcoolisme de temps en temps. Puis un petit peu de détente au lait pour pouvoir assouplir notre pâte. Puis on mélange le tout, avec amour, avec passion. Histoire d'obtenir le plus beau des gâteaux. Voilà. Ensuite, dans un simple moule rond, que nous allons utiliser du papier sulfurisé en dessous. Nous allons donc découper correctement tout autour de notre moule afin d'obtenir une forme presque parfaite. N'oubliez pas d'enlever les petits morceaux de merde. N'oubliez pas de recouper si besoin. Et voilà. Pas mal. N'oubliez pas d'utiliser du beurre sur les côtés afin de pouvoir démouler facilement notre gâteau. À rajouter la pâte, lissez-la bien, encornez, histoire de ne pas en oublier une seule miette, puis vous pouvez enfin enfourner. Une fois que ce gâteau est cuit, la magie du montage aidant, nous allons pouvoir le faire refroidir sur une grille tranquillement, avec douceur et délicatesse à la douce brise de printemps. En attendant, nous allons faire notre base cake. Tout simplement, nous allons faire bouillir du lait avec du sucre à feu doux et en rajoutant une gousse de vanille en la fendant délicatement et en mettant à feu doux. Il faudra bien penser à fouetter pour éviter que ça accroche. À mi-cuisson, rajoutez du sirop de glucose afin d'obtenir quelque chose de plus souple, plus crémeux. Passez au chinois étamine et faites refroidir pendant quelques minutes, puis rajoutez, tant que ça reste assez chaud, notre feuille de gélatine. Normalement, on pourrait utiliser du chocolat blanc, nous n'en avons pas, donc ce sera du beurre de cacao, afin d'obtenir quelque chose d'un peu gras, mais aussi d'assez onctueux. Fouettez. Ensuite, nous allons colorer. Pour commencer, nous allons faire une sorte de rose, puis un bleu vif, du vert. Un jaune tirant sur l'orange un peu. Puis pour terminer, un rouge assez vif. Nous allons retirer notre gâteau et lui ajouter ce fameux BX caquet. Voilà. Je vous laisse à votre imagination. Votre plus beau prompt de toute la vie. Voilà. Et une fois la tâche finie, vous pouvez admirer le résultat. Et maintenant, je laisse à Nico la joie de pouvoir essayer de me battre sur le gâteau le plus ridicule.